Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, t'as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que t'as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est FinTechSB. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale sur la toute nouvelle saison. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à tous vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Pensez au petit pouce bleu, cela me fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, pour toutes les personnes qui sont pas encore mis, je vous invite à tous mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir, merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir le tout nouveau pass de combat de la saison 2 gratuitement. Alors simplement, on va voir ce qu'on possède à l'intérieur du pass de combat. Alors, on a vraiment pas mal de nouveaux skins, des V-Bucks comme d'habitude. Du coup, je fais juste un petit tour. Ok, on a ce skin qui est vraiment intéressant. Ce skin aussi. Ce skin. Ok. Ici, on a une version qui change avec le skin qui est juste en haut. Ok, d'accord. Et ici, on a le dernier skin de Doctor Strange. Voilà, avec ses émotes et son accessoire de dos. Simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment tenir tout le pass de combat gratuitement, mais comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à tous vous abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSB si vous comptez acheter le pass de combat. Première étape, voilà, comme d'habitude, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Vous allez partir dans la boutique de V-Bucks. Là, vous allez cocher la case de 1000 V-Bucks. Normalement, ça va vous coûter 8 euros. Une fois que ça c'est fait, vous allez partir dans vos paramètres, dans paramètres. Et là, vous allez partir sur votre profil, dans quai d'opinion, où vous allez vous mettre sur nom, c'est vraiment super important. Et dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre sur oui, c'est vraiment super important. Et là, vous allez envoyer une demande à Epic Games pour demander un remboursement. Une fois que ça c'est fait, vous allez partir dans signalement et retour. Une fois la case cochée, vous allez faire signaler un bug, descendre tout en bas. Boutique, casier et salon. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Vous allez cocher la case et là, vous allez refaire une capture d'écran. C'est vraiment super simple. Une fois que ça c'est fait, là vous allez faire continuer et accepter. On voit du signalement IP Games. Et là vous allez encore refaire une fois la même chose, c'est vraiment super simple. Du coup, signale un bug, descend tout en bas. Boutique, casier et salon. Les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas, vous allez cocher la case. Et là vous allez faire retour et vous allez partir dans la boutique de V-Bucks. Vous allez acheter 1000 V-Bucks, encore une fois il y aura l'écran de paiement de votre plateforme. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner au lobby et là vous allez faire la même chose que vous venez de faire juste maintenant. C'est vraiment super important, vous allez faire signaler un bug, descendre tout en bas. Boutique, casier et salon. Là, vous allez cocher la case. Les objets et les V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas. Vous allez cocher la case. Et là, vous allez faire refaire la capture d'écran. C'est vraiment super simple. Une fois que ça s'est fait, là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement IP Games. Vous allez faire le bouton fermer et vous allez retourner dans vos paramètres. Du coup, dans quai d'opinion, là vous allez vous mettre sur oui, c'est vraiment super important. Et dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre également sur oui. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire là, vous allez faire tout simplement pour fermer Fortnite et vous allez relancer le jeu, c'est vraiment super simple. Une fois que vous avez relancé Fortnite, vous devez juste attendre le temps de la connexion. Et là, simplement, vous allez avoir simplement le tout nouveau pass de combat saison 2 gratuitement sur Fortnite Battle Royale. En espérant vraiment que cette vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale vous aura plu, je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. C'était FinTechSB, allez, ciao tout le monde.